Et salut à toutes et à tous, c'est Coinski, on repart sur Total War 3 Royaumes. Alors on va commencer par remettre les taxes. Ben oui, les paysans sont contents maintenant, donc on est reparti, on les taxe de nouveau. On était monté quand même à plus 43 d'ordre public, donc on est quand même à plus 12 encore, c'est très bien ainsi. On a gagné quelques auxiliaires, en fait c'est juste principalement l'épée qui est intéressante. C'est pas super intéressant, mais ça peut toujours être utile de changer l'épée d'un général bleu par exemple. On voit que j'en ai encore une autre remarquable en stock, on va la mettre. Peut-être récupérer d'un autre général mort éventuellement. Regarde s'il n'y a rien d'autre intéressant. Il y a ça, influence commerciale plus 10%. Oui mais ça je l'ai en double. Seulement si le personnage est premier ministre héritier au chef de faction. Russe plus 4. Ouais bon. Ok. Alors on est parti pour bouger les armées. Où est-ce qu'on en était? Oui, il y avait Cao Cao qui nous avait déclaré la guerre, cette espèce de fourbe. Donc on va devoir remonter peut-être quelques armées. Il est quand même ici. Il n'est pas très très gros, hein, Cao Cao. Donc on a cette armée-là qui vient là. Et je vais voir au fur et à mesure ce qu'on peut dégager de plus. Mais bon, j'ai des ennemis tout autour de moi, donc ça va quand même pas être si facile de dégager des gens. De toute façon, Yu Zhang, ici, on veut unifier, ça c'est sûr. On est quand? On est au printemps, parfait. Frappez fort! Je me sens revivre. Bien, on l'a prise direct. Ok. Ok. Donc pas de perte et annoncez, on va peut-être pouvoir arrivée. Partir assez vite. Bon, le soutien de faction va être faible, mais... Du coup, je me demande bien si avec lui, on ne remonterait pas. Le royaume de Wu est un petit peu sur les genoux déjà, donc... Liu Yao, Cao Cao. Je pense que toi, tu vas remonter pour aider l'autre armée ici. Alors ici, on manquait de ravitaillement. Du retour de votre chef. On va peut-être attendre juste un tour. Ou alors on va directement vers la mine de cuivre. Je crois qu'on va aller directement vers la mine de cuivre, mais qu'on va s'arrêter chez nous. Marchez ensemble. Ah, il n'y a plus de mouvement de toute façon. J'avais fini avec lui. Ok. Soyez patient. Faites confiance au ciel. Alors toi ici. Le but c'était de choper cette armée-ci. Pour la Chine, ils sont les voiles. Ruez-vous. Le problème c'est que ce fourbe m'échappe. Rassemblez la multitude. Je sens la chaleur. À Badong. Oui, on était venu par ici, on avait pris Badong. Et je voulais pousser encore plus vers l'ouest. Dans le territoire du royaume de Wu. Ce qui serait pas de mauvaise idée. Badong mine de fer sans doute est un bon objectif. C'est loin. C'est très loin. Waouh, c'est loin, on peut pas aller plus vite. Si je prends Shangyong d'abord. Y'a pas de passage ici? Alors ça c'est quand même très surprenant et embêtant. Attendez. Y'a quand même un passage par là. On a une rivière. Je peux aller sur la rivière, on dirait. On bouge. Voilà. Au nom de la Chine. Ok. Ça va marcher ainsi. Purgez le chaos. Il y a un truc perso qui me dérange un peu avec la carte. C'est vraiment, je trouve, la visibilité des passages. Il y a trop de... Enfin, c'est la région qui est montagneuse. Hein. Bon, on peut pas reprocher ça aux développeurs, mais je trouve que c'est pas toujours très lisible. J'aime bien les cartes quand même pour les jeux de stratégie où tout est bien clair. Je préfère que la carte soit un peu moins belle et plus claire que plus belle et moins claire honnêtement. Mais bon, ça va quand même. Hein. On y arrive. Est-ce qu'on irait vers Ling Ling directement? Est-ce qu'on irait vers Ling Ling? Je vois pas vraiment de raison de pas le faire. On a une armée plus que correcte. Elle est toute seule mais... Par contre elle est plutôt bonne. Ouais, le problème c'est que... Alors j'espère que lui va me suivre, hein, Zhang Hong. Ok, ce qu'on devait faire également, c'est appeler tous mes vassaux à la guerre contre Cao Cao pour me venger. Donc, faire ça. Ils sont en collision avec le duché de Qi. Ouais, ok. Alors, on va prendre...
Alors, c'est quoi ça encore? Accès militaire. Ok, alors négocie, on va revenir comme ça. Statut, voilà. Voilà mes vassaux. Bienvenue. Ça prend un petit peu de temps, venez mais... donc. Guerre, appelé aux armes. Déjà en guerre contre Cao Cao peut-être. On sait... Ok, ça c'est sur mon ennemi, pas de problème. Gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse. Dongli. J'ai hâte de vous écouter. Oh, il est loin, mais... On va quand même l'appeler aux armes. Je sais pas trop contre qui, là, du coup. Pour en prendre que deux à la fois, ok. Nos représailles seront résolues et indéfectibles. Alors, toi, ça m'intéresse que tu aies en guerre contre Cao Cao, ça c'est clair. Quelle joie de vous voir. Elle doit déjà l'être. Sans doute. Ok. La vérité est de notre côté. La victoire assurée. Lui, il a une bonne position. Bienvenue. En fait, c'est plus pour vérifier qu'ils sont en guerre contre les plus gros de mes ennemis que pour vraiment faire ce que je fais, mais... Voilà, Liu Yao, ça oui. Les autres, je vois même pas, je pense qu'ils sont très très faibles, c'est des tout petits machins. Il vous manque la fougue pour triompher. C'est ça. Quelle joie de vous voir. On verra ça. Ouais, ils ont été en guerre automatiquement contre mes ennemis, je pense que... La vérité. Il y avait déjà eu un appel aux armes ou un truc du genre. La victoire assurée. Ça a l'air bon. Alors ici. Encore une armée ennemie ici. Avancez. Bon. C'est pas gagné. Alors les constructions. La nourriture, on est remonté à plus 38, mais on importe plus 20. Donc on continue à essayer de gagner de la bouffe. C'est important. On met encore un petit peu le paquet là-dessus. Voilà. Plus 100%. Boum. Boai. Ici. Longai. On va bien remonter. Ensuite, on pourra faire croître nos villes. Ça va être bien. Arriver au niveau de bâtiments les plus élevés. Ça fera plaisir. Honnêtement, si moi je devais recommencer une partie maintenant, les taxes, je les monte dès le début. Je pense que je les monte dès le début. Au début, il n'y a pas trop d'ordre, problème d'ordre public, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de raison. Taïwan me rapporte 2127. Je vous avais dit hein, qu'elle rapporterait beaucoup, celle-là. Alors ici, bureau des mines ou ceci? Ah, ceci rapporte revenu de l'industrie plus 25%. Mais il faut le bureau des mines. On n'a pas vraiment besoin de plus d'argent, on peut partir sur ce côté-là. C'est pas un problème. Je pense qu'on va déjà faire grandir Yé. C'est quand même ma capitale, j'ai envie. Ça coûte 6000. Oh, c'est une bagatelle pour moi. J'avais énormément d'argent d'avance. Et Naï, on va la faire grandir également parce qu'elle produit notamment de la nourriture. Donc c'est pas perdu pour la nourriture, c'est toujours bon. Ah, le temple, là, il n'y a pas besoin... Ici. Convertir ou améliorer? Non, on va améliorer, bien sûr. Ok. Il a une armée de Cao Cao au nord. Attention. Le royaume de Wu est sorti de la ville de sa capitale. Ça, ça va être dur. Ils sont 3200, on est 2000. Oui, oui, oui. Mais bon, regardez les unités qu'on a. Hein. C'est du solide. Hein. C'est du très solide. La garnison, c'est moins que ce que je pensais. Par contre, c'est des bonnes unités. La garnison, elle déchire en fait.
Mais bon, ça devrait aller. Si on gagne cette bataille-là, on pourra prendre la capitale. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Je pense pas que j'aurai gagné la partie, hein, c'est trop tôt. Je pense que les deux prétendants seront déchus, mais qu'après, on doit encore remplir les autres conditions, c'est-à-dire avoir 95 villes. Voilà. Peut-être que par contre, on aura plus facile à rentrer en confédération, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a jamais eu moyen. Bon, au moins, les renforts sont du même côté que l'armée principale ennemie. Par contre... alors, je pense qu'on va se reculer derrière la rivière, tiens. Ça va les ralentir. Nous, on se poste derrière. On n'a pas 36 millions d'archers, par contre, ce qui est dommage, du coup, dans ce cas-là. Dans ce cadre-là. Ou alors, on va devant et tant pis, on va au clash. Ligne de front, bonne armure, efficace contre les unités montées. On a quand même pas mal de cavalerie. J'aimerais bien que la cavalerie puisse se retrouver en terrain découvert. Ok, on va venir se mettre ici. Et ensuite on reculera. Voilà, quelle est la portée de ces machins-là par rapport aux arbalétriers? Les arbalétriers. 250. Et cela seulement 150. Ouais. Je peux les mettre de position avancée, mais honnêtement, là, ça va pas mettre... On pourrait les taper là, mais après s'ils se font choper tout seuls, c'est pire que mieux, je vais pas le faire. On va en mettre 4 comme ça derrière, on aura le carré d'infanterie, on aura le mur de lance. Ok. Alors je prends mon temps parce que la bataille est quand même un peu risquée, je veux pas la louper. Je pense qu'on va quand même, de toute façon, faire une ligne de front assez large. Quitte à contourner l'ennemi et à l'englober. Tout ça, c'est du protéger contre les projectiles de toute manière, ceux-là. Ils sont bons, ils risquent pas grand-chose à les mettre devant. Donc on met une grande ligne. Ils risquent pas grand-chose contre la cavalerie non plus. Hein, ils sont vraiment... C'est les couteaux suisses. Ils sont bons de toute manière. Général bleu, général vert, et puis la cavalerie. Je vais le mettre là pour l'instant. On va déjà lancer de toute façon tant qu'ils arrivent. On est tranquille, on a le temps. Protecteur des cieux. Hardy, des renforts ennemis sont là. C'est un groupe. On va les faire reculer là. Ça, c'est un groupe. Je ne vais pas le verrouiller. Je vais mettre ma cavalerie ici. Et puis, il ne faut pas que j'oublie ma cavalerie de tirailleuse, on va dire, de harcèlement. On les avait pas encore bien gardés. Avec leurs petits arcs. Faut pas spécialement peur. On va faire ça. Un groupe également. Non verrouillé. Bon, alors je sais pas trop ce qu'on va faire avec cela. En route. Pour arriver à harceler l'ennemi. Marche. Oh, il y a des gens dans les rizières. Est-ce qu'ils vont faire qu'on va s'approcher? Ils vont se barrer? La formation triangle, parfait.
Plus 100% de masse quand même. Hein. Plus 50% de vitesse de charge également. Et moins de vitesse normale, mais une fois qu'ils vont approcher, ils vont vraiment charger très vite. Moins 50% d'armure, donc gaffe quand même. Clairement, ça vaut la peine. Voilà, on va les attendre. Logiquement, je devrais me mettre ici. Le carré d'infanterie, c'est pas mal parce qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucune contre-indication. La seule chose, c'est qu'on est immobilisé. Il y a renvoi de charge contre unité montée. Ouais, mais c'est vraiment utile que contre les unités montées, en fait. Quasiment. Tandis que là, on a résistance aux charges plus 1900% dans tous les cas, le mur de lance. Seulement, on ne peut plus bloquer à distance. Donc, attention. Blocage à distance, moins... 100%. Et ces unités-là, je pense qu'elles ont... Voilà, 50% de blocage à distance, donc... Ok pour le mur de lance, si jamais... Ouh, ils sont déjà là. Il n'y a rien de mieux. Si jamais on ne sait pas tirer dessus, je veux dire. Oh merde, on s'est fait prendre là. J'ai été trop vite. Mais bon, ça va aller. On va les harceler. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va laisser ainsi. Là, la charge arrive. On va pas poser de problème. On charge avec une autre. Faire des charges. On va enfoncer directement dessus ici. Hop. La deuxième charge arrive. Boum. Là, ils vont sans doute après fuir. On va mettre la deuxième cavalerie dessus directement. Les flèches explosives. Très bien. Boum. Ils ont bien résisté à la charge, je trouve. Les guerriers ennemis déguerpissent. Très bien. Là, je pense que ça va. Hein. Ils ne sont pas fait choper. Protecteur des cieux. Attendez, on met juste en pause. Là, ça vaut la peine. On va pas se faire trop tirer dessus, je pense. Donc, on va se mettre en mur de lance. On a le temps de se mettre, a priori. Sans trop de problèmes. C'est bon. Ok. Boum. Par contre, on va pas rester comme ça indéfiniment. Plus vite que ça. On va charger avec les autres unités parce que sinon ma cavalerie va se retrouver toute seule. Ça, on veut pas. Donc on est parti. On enlève le mur de lance, on va aller par là. On va venir contourner ici. Là, ils ont chargé, donc c'est bon. Et tu vas charger là. En fait, il ne me reste pas beaucoup plus d'unités de toute manière. Regardez-les fuir. Lâche. Alors là-bas, comment ça se passe? Bon, ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie. On va les laisser se débrouiller. Attention à pas tirer sur les alliés quand même. Tire sur le général là, ce sera très très bien. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Protecteur des cieux. Dépêchez-vous, plus vite. Protecteur des cieux. Protecteur des cieux. J'ai enlevé le mur de lance ici, oui c'est bon.
Ne cédez rien. Hop. Petite charge. Parez. En cadence, allez. On va engager comme les généraux. Sur le champ. Allez, pas le bleu. Le bleu, on va le laisser là juste derrière ses troupes. Ce sera très bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es un petit peu loin, c'est un peu dommage. Reviens ici. Oh merde. L'heure est venue. Ok, ça va, c'est rallié, elle est pas morte. J'ai peur que le général soit mort. Allez, on va juste l'approcher un petit peu pour qu'elle soit à portée des troupes pour donner le soutien. Au pas de charge. Regardez-les fuir. Lâche. Préparez-vous. Aux armes. Chargez. On va les aider par là. Ouvre le feu. Ici, il y a eu des fuites ennemies. Très très bien. On va avancer par là. Préparez-vous. En formation. Préparez-vous. Pas de quartier. Arbalète aux ordres. On a les troupes qui arrivent. Boum. Regardez les. Attaquer par l'arrière, ça devrait les calmer, j'espère. Pas faire grand chose pour eux. J'aime pas trop ces unités là en règle générale. J'espère qu'ils vont pouvoir se dégager à chaque fois, mais s'ils arrivent au coin de la carte, ils risquent de pouvoir bouger. Pas des masses de dégâts contre eux non plus, donc c'est pas grand chose. Nos soldats, on va peut-être les perdre, mais je les remplacerai. Je les remplacerai par autre chose. Protecteur des cieux. Préparez-vous. Prêt. À l'attaque. Suce à l'ennemi. On va avoir un souci ici. Parez. Chargez. Ils sont là à fuir. Au garde-vous. Protecteur des cieux. Ici, on est engagé, on est engagé, on est engagé. Parez. Faut pas oublier qu'il y avait les renforts ennemis aussi qui arrivaient au fur et à mesure. Guerrier, écoutez-moi. On se fait tabasser ici par là. Les tireurs. C'est la foutue garnison ennemie, ils avaient des tireurs excellents. Protecteur des cieux. Ce serait vraiment. On va essayer de dégager ceux-là. On va avoir des soucis. On garde à vous. Tirez vos projectiles. Oui. Plus vite que ça. Épéiste au djihad. Protecteur des cieux. Ils se sont arrêtés momentanément. On va avoir des très lourdes pertes ici, je pense. Préparez-vous. Au combat. Nous manquons de munitions. Xing Ping a perdu. Préparez-vous. C'est lui. Il est mort, ok. Ok, ok. Costaud de l'armée ennemie quand même. Hein. Défenseur, parez. Préparez-vous. Les défenseurs, c'est bon. Si hein. C'est un carnage qu'ils font, hein. Mais du coup, ils nous ont causé beaucoup de pertes aussi. Regardez les fuir. Là. Ok, là c'est pas mal, on avance. On libère ces troupes-là. Toi, tu peux les tamponner là-dessus, tant pis. C'est bon. Je garde le général bleu près de mes troupes pour qu'elles tiennent bien le coup. Armée, défenseur en position. Ok, on fuit. Guerrier, écoutez-moi. Sun Jian, il n'y a plus que 16. Enfin, plus que. Ils sont encore à 16. C'est pas énorme. On va quand même aller aider ici parce que. Il y a une opportunité de le faire. Plus vite que ça. Détruisez-les. Faut aider, faut aider. Comme ça, eux vont fuir. Là, il y a moyen de également charger tout en. Je pense qu'on va. Protecteur des
Est-ce que je vais jusque là ou est-ce que je reste ici? Je vais rester ici, c'est moins loin, on va faire une charge. Ils sont épuisés apparemment. Mes hommes, ils vont mettre un temps fou à arriver jusque là. Guerrier, écoutez-moi. Au pas de charge. On va faire une charge également ici. Comment ça se passe là-bas? Quasiment plus de munitions. Nos troupes ont soif de sang. Lien a perdu. Chaud la bataille, hein. Je m'en doutais quand je me suis mis en position de siège que ça allait être chaud. Alors ils sont ralliés, écoutez. On va aller aider ici le commandant. Je veux dire aussi que c'est, voilà, c'est pas des guerriers non plus n'importe qui qu'on avait en face. Hein. Protecteur des cieux. Évidemment, si je laissais ça, c'est normal qu'ils allaient lentement. Le mur de lance, c'est bien, mais faut pas oublier de l'enlever. Au garde à vous! À vos positions! Préparez-vous! Ce sera une leçon pour la suite. Bon, là, ils vont fuir, ils s'enfuient, c'est bon. C'est bon, on a gagné ici? Protecteur des cieux! Tout de suite! La victoire nous attend! La victoire nous attend, c'est bon. Même là, mes protecteurs des cieux, ils vont pouvoir finir. Il ne reste pas beaucoup d'unités sur pattes. Hein. Oui. Préparez-vous. Bon, on va garder, on va essayer de garder au moins un général en vie, ce serait cool. Hein. Donc je vais la mettre là, mais on va plus la mettre en bataille. On va attendre que les autres unités arrivent pour aider. Et on va remporter cette victoire. J'aurais pu mieux faire si j'avais certainement enlevé, en tout cas, peut-être ma cavalerie aussi, je l'ai engagée trop loin, trop tôt, je sais pas, je pense, trop tôt, oui, sans doute. Et les murs de lance, j'ai oublié d'en enlever quelques-uns et ça a posé problème. Enfin, pas énormément, hein. J'ai perdu un tout petit peu de temps. J'oserais pas la lancer parce que ça se trouve, elle va mourir tout de suite si je le fais, donc... On va éviter. Par contre, le bleu, il est encore vraiment en bonne forme. Il reste quasiment que Sun Jian. Hein. Ce fourbe, ce traître, on va enfin avoir sa peau. Regardez-le. C'est aujourd'hui qu'il va tomber. C'est aujourd'hui qu'il va tomber. Il tient le coup, ce pourri, hein. Parent tué, ami tombé, donc il est pas content. Mais ça va lui faire tout drôle, on y va. Il est bien sûr impossible qu'il résiste à toutes ces troupes qui me restent, hein. Allez, tous dessus. Meurs, traître. Yes, ok, je suis quand même content de la bataille. Ça aurait certainement pu être mieux, mais... la victoire est là. On a clairement perdu... oui, on... Ouais, il n'est pas mort, lui. Oui, non, il n'est pas mort, lui, bien sûr, il était là. Très bien. On a perdu juste un général vert, ok, pas de soucis. On n'a pas encore pris la capitale pour autant, bien sûr, il faut... La guerre a longtemps ravagé vos terres. Attaquer, mais il y a plus de garnison, normalement. Frappé votre peuple. On ne peut passer sa vie courbée. Un esprit vif évite un coup violent. Oh, on l'a capturé, Sun Jian. Jamais je vais le libérer. Jamais je vais le libérer. On récupère maître ouvrier et épée d'argent antique. Ok.
La justice exige son... Pour la Chine. Entendons-nous sur les termes. Lao Zumeng nous demande, en tant que leur suzerain, de les défendre contre Ei. Je vous quitte. Alors maintenant, on va prendre la capitale, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on pourrait faire la paix avec le royaume de Wu après, au moins temporairement. Maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait. Parce que je commence à avoir un petit peu beaucoup d'ennemis quand même. Ok, remplacer général mort. Alors, on a... lequel remplace-t-on ici? C'est lequel? Aperçu du régiment. C'est... oui. Pour la cavalerie. Alors, Pei Zhu, peut-être, pourrait être pas mal, niveau 3. Ou Shen Chang, légendaire. Ou Zhong Xun, mais... Je vais le recruter avec ma lignée, mais c'est pas grave, il est déjà niveau 4, c'est pas mal. On a de l'argent, on peut se le permettre de prendre le meilleur. L'union demande de la discipline. Confirmé. Lui me fait peur, hein. Je pense pas que je vais le laisser en commandant d'armée. Si c'est un traître, je préfère qu'il soit pas commandant. Je sais pas si ça change quelque chose, mais... Alors le problème pour le vert, c'est qu'on a rien de très haut niveau, donc je pense qu'on va prendre un mauve. Spécialisé également en infanterie. Au moins, on en a déjà niveau 3, voire niveau 4 avec Lu Yao. Il écoute un peu... Ouh là là, l'entretien par tour. Mais c'est pour le régiment. Là, il va garder mon ancien régiment. Il n'a rien à voir, ok. J'espère qu'il n'y a pas de traître là-dedans. Succession de la faction au royaume de Wu. Sun Tse. On a déclaré la guerre à Ei pour protéger notre vassal. Tuer Han Lian, tuer Xi Jinping, écoutez. Attendez. Shi Hui a pris tout ça, ok. Ça va, en fait, en termes d'ennemis, on a bien progressé. Alors, on va essayer de finir ici. La prudence est une habileté. On a quand même encore des troupes capables, je pense. À la guerre ! Perte moyenne. Je pense qu'on va plutôt... mettre le siège, je pourrais le faire en fait à la main. Ils ont vraiment pas grand chose, mais... On va exiger la reddition, plutôt on a battu la défense. Aux armes ! Ouais, c'est bon. Trône de l'Empereur capturé. Alors. Le destin est forgé dans l'acier et se mesure au sang versé. La Chine ne peut endurer éternellement le chaos créé par l'aspiration de l'homme. En refusant de capituler, Yuan Shao a repoussé les démons de Chine. Le dragon prend son envol et réclame le titre qui lui revient de droit. La volonté du Tian chevauche sur son dos. L'Empire, longtemps divisé, doit s'unir sous l'égide d'un empereur légitime, choisi par le ciel. Une dynastie qui durera pour l'éternité. Ah cool, c'est la victoire comme ça, ok. Est-ce que j'avais... Attends, on va faire continuer après, comme ça on comptera un petit peu nos comtés, et on verra si on en a vraiment 95. Peut-être que les alliés comptent dedans, ou peut-être que j'ai englobé du coup le royaume de Wu, je sais pas trop. Je maîtrise pas encore vraiment suffisamment les événements de campagne pour vous dire. Alors, voyons voir un petit peu. Bon, je suis content de la victoire, après je joue en mode normal pendant la moitié de la partie et puis on a mis en difficile pour les batailles. Je pense que le mode normal pour la campagne c'est trop facile pour moi vraiment.
Mais pour une première partie, j'aime bien de temps en temps jouer en normal pour les premières parties. C'est toujours plus agréable de découvrir les mécaniques de gameplay sans être trop non plus pressé, comme un citron. Donc c'était cool, je me suis vraiment super bien amusé sur le jeu. Moi franchement, il est bien. C'est un Total War que je trouve vraiment bien. Je suis très content de la partie gestion des villes, voilà, ça prend pas un temps dingue à comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est agréable de pouvoir équilibrer, ben voilà, production de nourriture, production évidemment d'industrie et de commerce pour le côté financier, la croissance de la population, les réserves, tout ça, il y a quand même pas mal de choses par rapport à d'autres Total War qui étaient plus simples à ce niveau-là. Je trouve qu'il est pas mal sans être trop prise de tête, il n'y a pas trop de micro-gestion ni rien, c'est, voilà, on fait les bâtiments, on essaie d'équilibrer, c'est... Honnêtement, c'est cool. C'est cool au niveau combat, tactique. Personnellement, moi, c'est un avis vraiment personnel. Mais je trouve que ça fait du bien de revenir à un truc historique par rapport au Total War Warhammer. Où, ok, vous avez des centaines d'unités différentes avec toutes leurs caractéristiques, dont il faut se souvenir d'ailleurs. Avec des capacités à activer, etc. pour les héros. Je trouve que ça fait du bien de revenir à un truc un peu plus simple. Pas forcément plus facile pour autant, mais en tout cas plus... Ouais, plus simple. C'est quand même plus simple de diriger 20 troupes en même temps quand vous ne devez pas lancer des capacités tout le temps à gauche et à droite, je trouve. Donc vraiment, moi, ça me plaît bien. Alors c'est clair qu'il y a peut-être un manque de diversité un petit peu dans les types d'unités. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire, mais quand on commence à débloquer d'autres unités, il y a quand même des trucs un petit peu différents, on va dire. Bon, ça pourrait être plus vaste, c'est clair. Mais en tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors, viens voir les statistiques. Puis, il y a le côté diplomatie aussi que je trouve très très bien. La diplomatie est top. J'ai encore du mal à juger si l'IA réagit bien au niveau de la diplomatie. Mais en tout cas, il y a une impression du genre de grande épopée militaire dans la campagne. Hein. On l'a vécu ensemble avec des rebondissements, des traîtrises, des coalitions, des alliances qui se brisent. C'est vraiment... C'est vraiment chouette. J'avais pas trop eu cette impression là sur d'autres Total War où c'était un peu plus plan-plan à ce niveau là, mais je trouve que là c'était vraiment bien. Alors, personnage favori a participé à 46 batailles, Yan Liang. Souvenez-vous, lui il est parti vers l'ouest, vers Machao, et finalement c'est devenu peut-être un des héros de l'Empire. Vétéran, 27 années à votre service, Yuan Shang. Je me souviens même pas de lui trop. Dueliste, 14 duels remportés. Zhao Yun. Alors les duels, je ne suis pas en mode romance, donc il n'y en avait pas qu'on pouvait activer, mais des fois quand même, je pense que les généraux entre eux se mettaient dans un genre de petit duel au milieu de leur suite, de leur capitaine, de leur régiment. Cool. Tour 135. Année écoulée 26. Il a tué 3400 hommes, Yan Liang. Juste ça. 139 personnages. Actifs pas seulement chez nous, hein, chez tout le monde, je pense. Oh non, on a eu 139 personnages différents actifs dans notre faction, je pense. 18 recrutés, 16 morts en service. 186 personnages ayant quitté la faction. Tiens, c'est bizarre ça. Je vois pas de quoi il parle. 64 duels, 57 remportés, 97 auxiliaires récupérés. Colonie des... Ah bah voilà, on ne devrait même pas compter. On en a 57 actuellement. Capturé 60. Donc à mon avis, soit il fallait arriver à 95 pour prouver sa supériorité sur les autres, soit il fallait prendre les trônes des deux autres empereurs. Ça devait être l'un ou l'autre, je suppose. On a perdu 6 colonies capturées 60. Donc à un moment donné, j'en ai perdu, je les ai reprises après, hein. Maximum de colonies détenues 57. 18 commanderies entières détenues actuellement. Ok. Alors, l'historique. Comment ça marche? Ça commence à l'année 100. 190. Alors, on est, nous, quelque part là. Je sais plus exactement, je pense qu'on est là.
les missions, tout ce qu'on a fait. D'accord, en fait c'est... Ok, été 121, été... Ok. On a été assez vite quand même au début. Hein. Pour prendre le nord. Là je me suis fait un beau petit territoire déjà. Pour monter mon économie et me positionner stratégiquement pour ne pas être trop ennuyé par mes voisins. C'était plutôt pas mal. C'est après, par contre, comme on a eu pas mal de vassaux et de partenaires commerciaux, j'ai eu du mal à étendre mon empire de manière uniforme. Alors c'est pas grave, moi je préfère, mais c'est pas non plus grave. Et donc j'ai... on a plutôt commencé à se morceler en fait à gauche à droite. Déjà la fin, ça ? Eh oui, on dirait bien. Donc j'ai pas eu un empire énorme, énorme à la fin. Mais en fait, beaucoup de vassaux, donc voilà. Il y a moyen de le faire autrement en ayant moins de vassaux, en essayant d'avoir un empire le plus gros possible aussi. Je pense qu'avec Yuan Shao, c'était thématique de toute manière d'avoir beaucoup de vassaux, puisque c'est une de ses capacités, un de ses centres d'intérêt. D'ailleurs, apparemment, quand on joue contre lui, quand il est l'IA, il vassalise aussi à mort. Je ferai une bonne IA de Total War, peut-être. Ok. On va essayer de continuer la campagne juste pour voir. N'est plus empereur royaume de Wu. Objectif de victoire atteint, campagne. La Chine est à nouveau réunifiée. Paix et unité règnent désormais sous votre direction avisée. Trésorerie plus 10 000. Mission Russie, unification de la Chine. Bien que vous ayez unifié tous les sièges du pouvoir de la Chine et ainsi prouvé votre mandat, il reste encore des terres et des régions indépendantes. Bien que ce ne soit qu'une question de temps avant que ces terres ne tombent sous votre contrôle, vous pouvez précipiter cette unification par la conquête. Contrôler 95 colonies, soit directement, soit par le biais d'alliés militaires. Total actuel 111. Donc en fait, je l'ai réussi celle-là aussi en fait. Ouais. Donc les vassaux ils comptent en fait, hein. Les vassaux ils comptent, c'est pour ça je pense que j'ai réussi la campagne, ok. Nous avons capturé un siège impérial, on l'a vu. Voilà. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Très très chouette jeu, moi je suis content de ce que... Creative Assembly a fait. Le truc qui marche vraiment pas pour moi, c'est les espions. Ça sert à rien. C'est une perte de temps, vraiment. C'est vraiment une perte de temps et d'argent, d'économie. D'envoyer des gens pour finalement qu'ils reviennent la queue entre les jambes quelques tours après. Même s'ils réussissent à faire un petit quelque chose, c'est pas ça qui va changer. À moins vraiment d'avoir la chance de pouvoir empoisonner l'armée qu'on va attaquer les tours d'après. Oh là là, vraiment. Ça pourrait être utile, mais je trouve vraiment que c'est trop trop accessoire et ça marche pas du tout assez bien. Pour le reste... Je suis content, les réformes, je suis content aussi, ça permet vraiment d'aller chercher les petits bonus dont on a besoin. Voilà, on a besoin de plus de nourriture, on a besoin de plus d'argent, on veut débloquer une nouvelle unité. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, un arbre de recherche, c'est-à-dire que on ne doit pas pouvoir tout prendre déjà, et puis on doit pouvoir un petit peu personnaliser sa faction en fonction de ce qu'on souhaite faire et de ce dont on a besoin. Je suis assez content aussi que Creative Assembly ait pris pas mal de risques finalement, en faisant des nouveautés, le système de régiments avec des généraux, avec des régiments attribués, qui ont des bonus en fonction des compétences qu'on donne au général. Le mode romance, même si moi c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, je peux comprendre que certaines personnes préfèrent ça. Donc c'est une ajoute, je trouve, sympa, ils auraient pu ne pas le faire. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez pu finir une campagne également? Et est-ce que vous avez tiré plus ou moins les mêmes conclusions sur le jeu que moi? Alors, je suis très intrigué aussi par l'IA. Hein. On a essayé en difficile. C'est vrai qu'elle joue mieux. Maintenant, il faudrait vraiment que je me renseigne si elle a des bonus ou pas, des bonus passifs. Ça, j'aime pas trop quand les unités de l'IA, à même unité contre vous, elles gagnent juste parce qu'elle a des bonus. Ça me plaît pas trop. Et dans les autres... Total War, ça a toujours été comme ça. Donc je montais la difficulté, mais au bout d'un moment, j'aime pas quand la difficulté n'est plus équilibrée en fait, et que l'IA gagne juste parce que leurs troupes ont
Des gros bonus, ça, j'aime pas. Voilà, on se quitte ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie du fond du cœur, évidemment, d'avoir regardé la série jusqu'au bout. Ça fait plaisir, il y a eu pas mal de vues. Les gens étaient contents. Beaucoup de commentaires aussi jusque... Waouh. En fait... Vraiment, les commentaires baissent un petit peu au fur et à mesure du temps, et ça a été le cas aussi ici, hein, mais quand même pendant très très longtemps dans la série, les gens étaient à fond et ont commenté beaucoup, donné des conseils et se sont amusés de tout ce qui s'est passé comme rebondissement. C'est ça aussi qui a été cool avec cette campagne, c'est tous les rebondissements, les trahisons, les guerres dans tous les sens, c'était vraiment vraiment chouette. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite plein de belles choses, salut à tous!